Tracy died soon after, alone for Civil War. Just after I wiped away his last tear, I guess he's better off than he was before. To cry for Tracy, 'cause he was my only friend. Those kind of cards don't pass you every day. I used to cry for Tracy, 'cause I wanted to see. Oof. Que son amour repose en paix, le coach Lambert. C'est difficile de s'exprimer sur cette mort. Mais bon, tout ce que le bon Dieu fait est bon. Que son âme repose en paix. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et c'était dans les années 90 à Solbeni, quand je venais passer mon test. Et quand je suis arrivé, j'ai fait mon test et tous les coachs, c'est-à-dire coach Carlos, coach Samy, père à l'âme, coach Chaton et le coach à moi, le coach Lambert était même là. Donc, je passe le test et tous les autres coachs étaient contents de ma prestation. Mais par contre, le coach Lambert, lui, il ne voulait pas... Que je reste à l'académie. Malgré le test qui a marché, mais lui, il ne voulait pas que je reste à l'académie. Bon, je ne savais pas pourquoi. Et les autres coachs ont appelé automatiquement le coach Jean-Marc Guillaume, qui était irrégulièrement en Belgique en ce temps-là. Donc, lui, il a dit, mais bon, qu'est-ce que le coach Lambert a dit à propos de ça? Donc, j'ai dit non, que le coach Lambert, lui, ne veut pas que Eboué reste avec nous ici. Et à l'académie, on m'appelait Andrade. Et c'est même le coach Lambert et le coach Carlos qui m'avaient surnommé. Donc, on m'appelait Andrade. Donc, quand le coach Jean-Marc a dit que... Mais bon, si le coach Lambert ne veut pas que Andrade reste à la SEC, ben, et vous, qu'est-ce que vous en dites? Non, les autres coachs ont dit, non, nous, on l'aime bien, il joue bien, que c'est un bon défenseur, tout ça, que je pense que ça sera bien pour nous de l'avoir dans le groupe, quoi. Donc, il a dit, bon, ok, quand il va revenir en Côte d'Ivoire, ils vont me faire parvenir et puis je vais repasser mon test auprès de Jean-Marc Guillaume. Donc, le coach Jean-Marc, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a cherché à me voir. Donc, je pars à Solbeni, à la présence des coachs et avec le coach Jean-Marc Guillaume. Je passe mon test et comme Dieu fait grâce, mon test a marché devant le coach Jean-Marc Guillaume. Donc le coach Jean-Marc Guillaume a décidé de me garder à l'académie. Mais par contre, le coach Lambert, lui, il était sur sa décision. Lui, non, non, non et non. Donc, on lui a demandé, mais pourquoi tu ne veux pas qu'Andrade reste à l'académie? Il dit, non, mais il fait plus âgé, il est plus âgé que la troisième promotion. Donc, voilà. Il dit, ah bon? Donc, on est resté comme cela. Et comme le coach Jean-Marc avait lui-même dit, comme c'est lui qui est le patron, comme il a décidé de me garder, donc il était obligé de faire avec. Donc, il est resté avec nous là-bas. Et moi, après les entraînements, je devais rester à l'académie, dormir là-bas. Et le coach Lambert, lui, à l'absence du coach Jean-Marc, qu'est-ce qu'il faisait? C'est-à-dire, après chaque entraînement, il me déposait directement chez mes parents à Yopougon. Dans sa bâchée, il avait une bâchée noire là. Donc, il me déposait directement à Yopougon. Et chaque matin, il venait me récupérer pour que je vienne faire les entraînements. Donc, c'est ainsi pendant quelques mois, c'est ce qu'on faisait.
Donc, un jour, on a fini les entraînements et les autres coachs n'ont pas voulu que je rentre à Yopougon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, ils m'ont caché directement dans leur chambre. Donc, quand le coach Lambert est arrivé, il dit, mais où est Andrade? Et le coach lui a dit, non, Andrade, comme vous attendez depuis, vous ne venez pas. Donc, il a pris son taxi et il est rentré à Yopougon. Donc, il a demandé au coach, j'espère que vous ne me montez pas, hein. Donc, les coachs ont dit non, coach, non, qu'Andrade il est rentré. Donc, c'était comme ça qu'on faisait. Et un jour, je m'appelle très bien, comme on avait l'habitude de se lever très tôt les matins pour ceux qui ont vraiment envie de travailler dans le sable. Donc, moi, je me levais très tôt pour aller travailler dans le sable. Et c'est ainsi, un jour, le coach Lambert est rentré et lui au moins s'est croisé. Et il me demande, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-là? C'est là, non, je lui ai dit que coach, comme hier, il y avait un problème de voiture, donc je suis resté à côté dormir chez l'un de mes camarades parce que j'avais trop peur de lui. Donc il m'a dit, j'espère que tu ne me mens pas. Hein. J'ai dit, oui, coach, je ne vous mens pas. Donc après ça, il est rentré, après l'entraînement du matin, il est rentré, je ne sais pas où, et il appelle, le coach Carlos. Bon, le coach Carlos perd son âme. Pour lui dire, mais il y a le coach Jama qui vient de l'appeler, qui dit qu'il aimerait que Andrade vienne en Belgique. Qu'il faudrait qu'on fasse ses papiers rapidement. Mais bon, comme c'est lui, le coach Lambert, qui est chargé de faire mes papiers. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque jour après l'entraînement, il venait me récupérer et on partait chez mes parents à Yopougon pour aller faire les papiers, tout ça. Et malgré que j'étais auprès de lui dans la bassée, mais j'avais toujours peur de lui. Et lui ne me parlait pas, c'est-à-dire en train de la voiture, il ne me parlait pas. Il parlait juste me déposer, on faisait les papiers et il me ramenait à commander à Solbini. Donc c'était ici, un jour, il me convoque de son bureau et il me dit, Andrade, tu sais que je t'aime bien. Si tu voyais, j'étais beaucoup orgueilleux envers toi, j'étais dur envers toi. C'était pour t'aider, c'était juste te montrer mon amour. Voilà, mon amour, parce que effectivement tu as un talent. Et je pensais que tu étais un peu plus âgé que les autres, donc c'est pour cela que j'ai pas voulu te garder. Mais j'ai vu que effectivement tu es un enfant sage, sérieux, donc je présente mes excuses pour tout le comportement que j'ai eu envers toi. Et sache que je t'aime, tu es mon fils, tu es mon enfant, et je ferai tout pour t'aider pour que tu puisses aller en Belgique. C'est ainsi le coach Lambert et moi. Nous sommes restés en tant que père et fils. Donc, chaque jour qu'il venait, il demandait toujours après moi. Il me demandait est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai bien mangé. Et ça m'a encore donné plus la confiance parce que j'ai vu que le coach Lambert, qui était difficile aujourd'hui, m'a accepté comme son fils. Et aujourd'hui, sa mort me fait vraiment, vraiment, vraiment de la peine. Ça me fait vraiment mal. Et que son âme repose en paix. Courage à sa famille, courage à sa famille, et que Dieu nous bénisse. Allez, bisous, 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 bisous. Ciao.